pleine, noyée de soleil, que d'infatigables chapeaux coniques façonnent en de vastes rizières verdoyantes. Le pays d'eau où les fleuves portent sur leurs veines soyeuses des sampans chargés de fruits odorants. Le pays de pagodes enfumées au cœur desquelles les Bouddhas sourient aux visiteurs. Pays de crépuscule où les pêcheurs traînent sur le sable leurs esquifs et leurs filets mousseux pour gagner l'horizon d'encre de la mer de Chine. Mais surtout, pays d'hommes, de femmes, d'enfants issus de 54 ethnies et qui en font la plus extraordinaire mosaïque de visages, de langues, d'histoires et de couleurs. Bercé par une culture riche et ancienne, le Vietnam est à la croisée entre modernité et tradition. Les câbles électriques, ces milliers de motos et cette circulation infernale font partie intégrante des décors. Le pays a évolué à une vitesse fulgurante. En 1997, lors d'un premier voyage au Vietnam, Hanoï était sans feu tricolore, hué sans voiture. Le tunnel sous le col des nuages n'existait pas. Aujourd'hui, la modernité des grands centres urbains, avec leurs ronds-points, leurs buildings et leurs ponts suspendus, contraste avec les traditions ancestrales du pays. Dans le sud, le delta du Mékong assure près de 40% de la production alimentaire du pays. On est ébloui par le nombre d'embarcations chargées de denrées les plus diverses qui y circulent. Le riz figure à la première place des marchandises. Les fruits transitent en nombre dans le delta, car la région est grande productrice. Ici, les noix de coco. Le charme principal du delta réside dans son réseau de bras d'eau et dans la vie qui s'y déroule. Une balade en barque dans ces canaux étroits donne une vue panoramique de sa beauté naturelle et de la vie quotidienne sur les rives. Dans ce petit troquet, le visiteur est accueilli par des chants très particuliers. Le Don Cai Tai Tu est un spectacle musical traditionnel et typique du Sud Vietnam. Ce type de chant est considéré comme un art populaire, une nourriture spirituelle des habitants, et ceci depuis des lustres. Ici, au cœur du delta du Mékong, dans la région de Ben Tré, la population locale se déplace plutôt en bateau et les activités quotidiennes se passent au bord de l'eau. Une végétation dense et omniprésente fait oublier aux voyageurs le tumulte de la ville. C'est un pur bonheur de se retrouver dans ce lieu paisible. Thank you.
rien de meilleur qu'une virée à vélo pour parcourir cette nature luxuriante. Les amateurs de fleurs se réjouissent d'Amania, impatience de Guinée, Ixora, frangipanier poussent ici comme chez nous poussent les mauvaises herbes. D'eau courbée et sous un soleil de plomb, comme au bon vieux temps chez nous, ces femmes récoltent le riz à la faucille. Le Mékong est un fleuve légendaire autour duquel la vie s'est organisée de façon originale, comme ces villages flottants qui vivent au rythme des pulsations du fleuve. Pendant de longues années, les villages flottaient au sens propre du terme. Les habitants vivaient dans leurs petits bateaux de pêche. Aujourd'hui, beaucoup se sont rassemblés pour constituer de vrais villages avec des maisons en bois construites sur de gros bidons de fioul ou de gros blocs de polystyrène. Un lieu idéal pour faire de la pisciculture. Voici le marché de Dalat. On a tendance à dire que tous les marchés vietnamiens se ressemblent. Pourtant, celui de Dalat est particulier. La nuit, il ressemble un peu à nos marchés de Noël. Sur les escaliers, dans les rues, il y a partout des vendeurs qui proposent toutes sortes de marchandises. Café, fruits, œufs, haricots variés et grillades en tout genre. Ce marché est un univers à lui tout seul. Il y a une vie sur le marché, en témoignent ces nombreux stands où les Vietnamiens se restaurent. C'est une constante ici, les Vietnamiens mangent à toute heure. Construite en 1938, la pagode Linson est la plus vieille de la ville de Dalat. Elle abrite une école bouddhiste de haute réputation. Le sanctuaire principal est consacré au culte de Sakyamuni. Il possède une cloche géante faite, dit-on, d'un mélange d'or et de bronze. Pesant plus d'une tonne, tout risque de vol est exclu. Les bonzes se consacrent à l'entretien de ce magnifique parc. Il règne ici un calme absolu et une atmosphère paisible qui impressionne. La benne de jour, elle s'ouvre la journée, elle ferme le soir et elle change de couleur du matin au soir.
Sur la route qui mène à Lac, les paysages de rizières s'étendent à perte de vue. Dès que le riz présente des signes de maturité, on arrête l'irrigation. La moisson commence dès que les deux tiers supérieurs des panicules jaunissent. Elle est très étalée dans le temps, puisqu'on plante du riz à croissance plus ou moins rapide. Elle peut ainsi s'étaler sur 4 mois, l'outil traditionnel est la faucille ou bien le couteau. Les gerbes bien ficelées sont posées sur le bord de la route pour ensuite être transportées à la maison. Une fois le riz coupé, c'est au buffle de finir le travail. Oui, il existe encore des éléphants au Vietnam. On dénombrerait environ 300 pachydermes vivant à l'état sauvage au Vietnam. À Dak Lak, des éléphants sauvages sont domestiqués, les habitants se font cornac et organisent des balades sur le dos de ces énormes bêtes. La minorité ethnique Mnong est courageuse et témoigne d'un esprit de lutte à toute épreuve pour faire face aux dangers que suppose la chasse à l'éléphant sauvage. La traversée du lac est surprenante, surtout lorsque l'éléphant se trouve aux deux tiers immergé et doit utiliser sa trompe pour respirer. Un gros orage se manifeste et donne au lieu une atmosphère surnaturelle. La nature a composé ici un tableau d'une grande beauté. Une immense étendue d'eau entourée de rizières et de monts volcaniques endormis. Au bord du lac, le village traditionnel de Jeune, avec ses maisons sur pilotis, habitées par des Mnong. Le Dukaout, un genre de pirogue, glisse au ras de l'eau. Le retour se fera par ce moyen de transport, et ce, à la force du bâton manié par les femmes Mnong. Vu l'étroitesse de l'embarcation, il doit y avoir parfois des bains forcés. Le sud des hauts plateaux cache encore jalousement quelques sanctuaires, et notamment dans les montagneuses et chaotiques provinces de Dak Lak. L'immense et profonde forêt qui, jadis, recouvrait une grande partie des hauts plateaux, ne se perçoit que dans quelques districts isolés, abruptes et encaissés, loin de l'influence d'envahisseurs. Certains de ces districts, insoumis et à peine explorés en 1935, ont par miracle échappé aux destructions de ces 5 dernières décennies et reflètent ce qu'était le Sud-Vietnam dans sa splendeur sauvage. Habitant les hauts plateaux du centre, les Mnong, au nombre de 90 000, croient encore à l'existence de plusieurs génies. Ils sont régulièrement assimilés à un groupe plus vaste dénommé Moy, proto-indo-chinois
ou montagnards, par opposition aux Vietnamiens. Chaque village est composé d'une dizaine de maisons construites sur pilotis. C'est une société matriarcale. Les enfants portent le nom de leur mère. La culture de riz est l'activité principale des habitants. La chasse et la domestication d'éléphants rapportent quelques revenus additionnels. Le voyageur est toujours accueilli par des danses traditionnelles avec dégustation d'alcool de riz. Merveilleux lever du soleil sur le lac, les pêcheurs, déjà en train de relever leurs filets, profitent de la quiétude des lieux, à peine troublés par quelques appels d'oiseaux. Les Jaraï, une des 54 minorités ethniques du Vietnam, habitent les régions de montagne. Ils habitent dans des maisons sur pilotis, pratiquent eux aussi la culture sur brûlis. La majorité des Jaraï est animiste et croit que l'univers est peuplé de démons. Des sacrifices de cochons et de buffles sont faits de façon régulière pour apaiser les esprits. On ne peut visiter leur village qu'accompagné d'un guide local. Dans chaque village se trouve la maison communautaire appelée Rong. On y tient, on y fait des réunions, les fêtes, les mariages, ainsi que les sacrifices d'animaux. Les minorités Jaraï, établies sur les hauts plateaux du centre, pratiquent un rituel d'inhumation particulier. Ils gravent dans le bois le portrait du défunt et lui offrent des aliments pendant plusieurs années. Chaque tombe se présente comme une petite maison qui peut regrouper plusieurs défunts. Chez les Jaraï, on enterre les morts avec ce qu'ils ont de plus cher. Ici, c'est la tombe d'un vieil homme inhumé il y a quelques jours. On y entrepose quelques meubles, son balai et une multitude de bouteilles. Les bouteilles, c'est ce que l'on retrouve d'une façon générale dans toutes les tombes. Thank you.
Le jour de l'enterrement, la famille tue plusieurs buffles pour le repas. Le nombre de mâchoires suspendues à une perche devant la tombe indique quel était son rang dans le village. Et pendant 2 jours, tous les habitants du village s'arrêtent de travailler. C'est une triste célébration. Ensuite, pendant 2 mois, la nuit venue, les enfants viennent alimenter un feu devant la tombe. Au bout de 7 à 10 ans, ils considèrent que l'âme du défunt est partie au paradis et que la tombe peut être abandonnée. On place alors des statues de l'abandon devant la sépulture et on célèbre une fête, cette fois-ci heureuse. L'ambiance de cette grosse bourgade, Ekekontoum, est restée paisible, empreinte de spiritualité, totalement décalée par rapport au reste du Vietnam. Les premiers missionnaires français sont arrivés à Kontoum peu après 1850, sur les terres des minorités Banar, Charaï et Sedang. La magnifique cathédrale, tout en bois, construite en 1913, est dédiée à Monseigneur Quéno, évêque, vicaire apostolique, à qui l'on doit le lancement de l'évangélisation des montagnards. Un surprenant édifice en bois bâti sur pilotis. Pour mieux propager leur foi, les prêtres se sont adaptés à leurs ouailles. Ainsi, la messe est dite en Banar et en Jaraï, langue des 2 ethnies majoritaires du diocèse. Des religieuses en tunique bleue animent le chœur. Avec une foi intacte et touchante, l'assistance reprend à plein poumon des couplets dans le dialecte autochtone. D'où n'émerge pour le touriste que Jérusalem, Alléluia ou Amen. Pour assister à la messe du matin, les montagnards arrivent parfois la veille, à pied et dorment sur place. Les minorités Banar sont pauvres et restent marginalisées dans la société vietnamienne d'aujourd'hui. Les montagnards n'aiment pas les études et continuent de préférer la vie au grand air. Ils continuent de pratiquer des rites, des coutumes transmis de génération en génération depuis des siècles à l'ombre de la maison communautaire. Ces tribus vivent en autarcie, loin de toutes influences. Vie dans les forêts,
analphabétisme, fétichisme, superstition sont les principales pratiques de ces peuplades que les Vietnamiens qualifiaient encore de sauvages. Les minorités des hauts plateaux ne sont pas soutenues par le gouvernement. La région a connu des troubles il y a quelques années. Plusieurs révoltes ont eu lieu. Les montagnards protestaient contre la confiscation de leurs terres pour cultiver le café. Ces révoltes furent sévèrement réprimées par le régime. Aussi incroyable que cela puisse paraître, ici, au bout de nulle part, un vétérinaire intervient à des fins prophylactiques pour prévenir une maladie des yeux de ces jeunes bovins. Nous voici sur l'ancienne piste Ho Chi Minh. Elle était l'artère majeure qui permettait d'acheminer du nord au sud le matériel de guerre, nécessaire au combat. La piste Ho Chi Minh était un ensemble de passes et de sentiers élargis par les forces du génie militaire pour devenir un large réseau de routes en partie construites en territoire laotien et cambodgien. La piste a vu transiter des millions de soldats et des millions de tonnes d'armes et de nourriture destinées à la guérilla communiste au sud du Vietnam. Surnommée la piste de sang, elle a contribué à la défaite de l'armée du Sud et des États-Unis. Aujourd'hui, c'est devenu une route paisible, fréquentée par une population en paix. On y transporte une multitude de choses, comme ici, ses porcelets et ses canetons. Ce mémorial a été érigé en mémoire de la terrible bataille de Dak Tho. Dak Tho était une plateforme stratégique pour les Américains qui, pendant la guerre du Vietnam, avaient installé à proximité une piste d'atterrissage. Une des batailles les plus sanglantes de la guerre du Vietnam a eu lieu dans les montagnes et a laissé des centaines de morts dans les deux camps. Toujours sur la piste Ho Chi Minh,
les paysages sont sereins et cachent bien les traces des terribles combats menés ici il y a 40 ans. Sur le bord de la route, une multitude d'échoppes artisanales s'alignent les unes après les autres. Des artisans de tous âges se consacrent avec passion à un travail minutieux. Le front mouillé de sueur, ces jeunes sculpteurs réalisent de véritables chefs-d'œuvre. Oyan, l'ancienne cité de Faifo, située sur la rivière Tubon, à 30 km au sud de Da Nang, est l'une des plus charmantes villes du Vietnam. Plus que partout ailleurs, le temps s'est ici arrêté durant des décennies pour distiller des émotions inoubliables aux voyageurs. Oyan était une ville prospère, située sur les routes maritimes du commerce de la soie. Elle connut une expansion à partir du XVe siècle. De riches marchands y installèrent des comptoirs et construisirent de grandes et solides maisons en bois. L'un des édifices les plus remarquables est le pont couvert japonais qui fut construit en 1593 et qui reliait le quartier japonais au quartier chinois. Nous voici dans le tumulte routier à Hué, sur les bords de la rivière des Parfums. L'ancienne cité impériale est célèbre pour sa citadelle, autrefois demeure de la dynastie des Nguyen. Nous profitons de notre séjour à Hué pour faire une halte à l'orphelinat de Sœur Chantal que notre association Poussière de Vie soutient depuis 8 ans déjà. Le nouvel orphelinat, construit en partie grâce à l'aide et la générosité de nos membres, remplit son rôle. Plus de 80 enfants sont ici hébergés, dont une bonne dizaine d'enfants handicapés. Beaucoup d'enfants viennent de la rue. D'autres sont abandonnés par des parents trop pauvres, abandonnés de filles mères, de parents atteints du sida, et qui donnent leur enfant non contaminé avant de mourir. Phénomène plus récent, les minorités des Hauts Plateaux lui confient également leurs enfants, car eux aussi sont trop pauvres pour les élever. Près de la moitié des orphelins
ont moins de 8 ans. La plus petite n'a que 2 mois. Elle est arrivée immédiatement après sa naissance. Quant à Han Min et Xion Yang, elles n'ont même pas 2 ans. Maintenant, on achète, on kidnappe les enfants pour prendre les organes vivants. Un grand moment de bonheur pour les enfants, c'est d'aller à la mer. Sœur Chantal a profité de notre présence pour entreprendre le trajet et permettre aux plus petites de barboter dans la grande bleue. Un bus, ainsi que le minivan de l'orphelinat, transporte tout le monde sur les bords de la mer de Chine. Sœur Hélène, d'une abnégation à toute épreuve, donne les dernières consignes avant le grand bain. Pendant ce temps, Annie distribue les ballons que nous avions achetés la veille chez un marchand de rue. Arrive enfin le grand moment où la petite sœur donne le feu vert. Tout le monde à l'eau. Le bonheur est absolu. Les enfants savent montrer leur enthousiasme et leur joie en toutes circonstances. Et leurs cris et leurs sourires nous disent combien ils apprécient chaque instant. Quant à nous, nous sommes conscients de vivre avec ces petites des moments privilégiés, remplis de richesses, d'échanges et de découvertes. Notre association Poussière de Vie a pu financer l'achat de ce minibus 9 places. Au retour de l'école, j'ai pu compter 21 petites sautant hors du véhicule les unes après les autres, venant des places arrière et même du coffre. Les enfants sont attachants, ils savent profiter de ce que Sœur Chantal leur apporte. Elle est leur source d'affection, leur complice, en un mot, leur maman. Son K2 héberge également une quinzaine d'enfants handicapés. Pour des raisons diverses, manque de contrôle prénatal, accidents, séquelles de la guerre, le Vietnam compte un nombre important d'enfants et de jeunes handicapés. La situation de ces enfants et de leurs familles, situées en zone rurale, est rendue particulièrement difficile
par l'absence de structure de soins adaptés. Cette situation s'aggrave lorsqu'ils sont confrontés à la pauvreté. À son cas 2, dans une installation adaptée, eux, les bannis de la société, trouvent soins, réconfort et affection. Pour nous autres qui vivons en Occident, un orphelinat peut paraître un endroit triste, voire misérable. Ce n'est pas le cas à Kim Long. Pour ses enfants vietnamiens, l'orphelinat de Sœur Chantal offre un refuge face aux dures conditions de la rue. Nous avons tous été impressionnés par la force et la joie de vivre que ces enfants dégagent et communiquent à travers leurs sourires, leurs regards pétillants, leurs chants et leurs danses. Nous avons tous pris une extraordinaire leçon de vie. Et au nom de tous nos enfants, de toutes nos sœurs et de tout le personnel de la maison, nous vous disons grand merci et nous vous souhaitons bonne santé et que le bon Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Le Vietnam est un pays multiethnique avec 54 groupes bien distincts. Bien que ne représentant que 15% de la population, les minorités occupent une superficie considérable, soit 200 000 km², ce qui représente les deux tiers du pays. Alors que les Vietnamiens occupent le littoral et les grandes agglomérations, les minorités contrôlent les montagnes du nord et toute la frontière ouest du pays. Avec leur langue, leurs coutumes, leur culture, ils ont construit leur village au cœur des montagnes sauvages et verdoyantes. Longtemps persécutées, ces populations réussirent à perpétuer leurs traditions jusqu'à nos jours. C'est ici qu'est le vrai Vietnam, le Vietnam authentique avec les Thaïs noirs, les Hmong bariolés ou comme ici, les Zhaos rouges et noirs qui continuent de cultiver les rizières en terrasse et les champs de thé sur les pentes abruptes des montagnes. La ville de Bac Ha offre très peu de solutions d'hébergement. Voilà sans doute pourquoi le Grand Nord du Vietnam est épargné par le tourisme de masse et offre ainsi la possibilité de sortir des sentiers battus. La région de Bac Ha se trouve sur des hauts plateaux à 700 mètres d'altitude, à l'extrême nord du Vietnam, tout près de la frontière chinoise. Elle bénéficie d'un climat doux durant toute l'année. Bac Ha constitue l'aire d'habitat de plusieurs tribus ethniques, dont la plus nombreuse est la tribu des Hmong. L'ethnie Hmong, divisée en plusieurs groupuscules locaux, Hmong blanc, rouge, noir, vert, ou comme cette femme, Hmong fleuri,
émigra de la Chine au Vietnam entre la fin du XVIIe et le début du XIXe siècle. Le nom de ces groupuscules s'inspire de la couleur des vêtements. Traditionnellement, les Hmong pratiquent une agriculture itinérante sur brûlis. Avec force, courage et ingéniosité, ils sont passés maîtres dans l'art de canaliser l'eau de terrasse en terrasse, et de transformer des collines en rizières. On dit que les Hmong sont comme les buffles de leur campagne, forts et silencieux. De leurs mains jaillit le riz, perpétuant l'image d'une Asie profonde et traditionnelle. Trung Do se compose d'une cinquantaine de familles de l'ethnie Thaï. Ce village, quoique situé non loin de la ville de Bac Ha, reste très isolé. Les paysages du Haut Tonkin sont grandioses. Rizières en terrasse, nature luxuriante, autant d'écrins pour les villages dont les maisons au toit de lataniers abritent des populations accueillantes. Une nuit dans une des maisons de ce village viendra confirmer que les légendes naissent dans des lieux magiques. Le nord du Vietnam peut se diviser en trois régions. Le delta du fleuve Rouge, la moyenne montagne et les hautes montagnes de l'extrême nord. Ce sont les deux dernières qui sont les plus séduisantes, tant par leurs paysages splendides que par la diversité des ethnies qui les peuplent. Villages aux maisons de bois couvertes de chaume, qui dorment dans la chaleur de midi. Petites rues peuplées d'enfants radieux et épanouis. Mais aussi de cochons, de poulets, de buffles. La route nord nous emmène vers une vie ancestrale, sans ciment, sans moteur à explosion et sans télévision. Petites vallées aux pentes douces, parfois de petits sommets lointains, et toujours les verts crus et horizontaux des rizières, des champs creusés par des générations patientes dans un sol boueux et lourd, de mini-barrages de boue aux armatures de bambou, de toutes petites digues qui s'élèvent au-dessus des champs inondés. Partout sur ces terres ancestrales cultivées se penchent des hommes et des femmes aux chapeaux coniques, au dos courbé, aux vies immergées dans l'eau limoneuse des rizières. Et dans ces décors champêtres,
de jeunes filles gardent les buffles d'eau. Pieds nus et bien souvent dans la boue, cet homme laboure sa parcelle, son bébé attaché dans le dos. Et quelle place de choix pour apprendre, tout petit déjà, les rudiments de la culture du riz. Un buffle tire un arrière dont seul le soc est une pièce métallique. Un paysan tient le mancheron de la charrue et guide l'animal par une corde qu'il tient à la main. Le buffle semble d'une très grande docilité. L'homme et la bête sont liés à la terre. On se croirait revenu en plein Moyen-Âge. Kokli est un petit village situé sur les bords de la rivière Chai. Ce marché est réputé pour être l'un des plus pittoresques au pays des minorités ethniques. La première chose que l'on voit en arrivant, ce sont les couleurs vives du costume des Hmong fleuris. Foulard, jupe, tunique, tout n'est que couleurs et broderies. Le marché se tient ici tous les mardis matins, l'occasion pour les gens de faire du commerce bien sûr, mais aussi et surtout de se rencontrer et de passer un bon moment ensemble. Grand marché aux bestiaux réputé, on y trouve bien sûr le buffle en première ligne. Mais aussi le cheval et le cochon. Le marché de Kokli, c'est aussi la fête et les retrouvailles hebdomadaires. On en profite pour acheter ou vendre des produits alimentaires. Des biens de première nécessité ou le fil et les aiguilles pour confectionner les broderies des costumes traditionnels. Reflet d'une culture et d'une tradition, ces broderies ont aussi une signification que le visiteur ne verra pas immédiatement. Chez les femmes Hmong fleuries, les motifs brodés sur les sacs et les tabliers indiquent leur situation conjugale et sociale. Le coiffeur est là pour vous donner les dernières nouvelles pendant la coupe de cheveux, alors qu'au centre du marché, d'autres en profitent pour manger ensemble et commenter les récents événements. Aux heures de pointe, le marché est dominé par les couleurs rouges et oranges des costumes traditionnels des Hmong fleuris. Les couleurs noires des Zhao et bleu foncé des Thaï. Les Hmong et les Zhao qui vivent dans les villages éloignés arrivent au marché principalement à pied, souvent la veille.
Petit arrêt à Laocai, qui se situe sur la frontière chinoise. Il suffit de traverser ce pont pour être en Chine. Devant l'arche faisant office de poste frontière, une musique persistante attire l'attention. Dans un temple se tient une cérémonie qui paraît mystérieuse. Dès notre approche, les pratiquants nous font signe et nous invitent à participer à leur célébration appelée Hodong. C'est la vénération traditionnelle de la féminité de la mère créatrice du monde. Le médium d'un rituel Hodong peut être une femme ou un homme capable de communiquer avec les esprits et de servir d'intermédiaire entre eux et les humains. Il devient ainsi un prophète qui transmet les paroles des dieux et permet aux fidèles de consulter les divinités et de gagner leur faveur. Le médium est aidé par deux assistants chargés de faire évoluer son costume au fil de la cérémonie. Des musiciens sont assis près de la scène et jouent de la flûte, du tambour et de la sitar à deux cordes, accompagnés par deux ou trois chanteurs qui chantent quand l'esprit s'est incarné dans le médium. Pour chaque séquence Hodong, de nombreux esprits peuvent se manifester. Pour chacune des transes, une nouvelle séquence commence. En général, il y a quelque 36 séquences pour un Hodong, représentant chacune un esprit, une déesse, un mandarin ou un objet sacré. Lors d'une séquence Hodong, le médium pratique des mouvements de danse hautement conventionnels et stylisés. Tous les mouvements du corps sont effectués pour que le public ressente la présence de l'esprit sur scène, en face d'eux, incarné dans le corps du médium. Le contenu littéraire du Hodong se reflète à travers les chansons, les danses, les contes, riches en valeurs humaines, philosophiques et musicales. Après une longue route sinueuse, la récompense est à portée de caméra. Sur la route qui monte vers Sapa, les arrêts sont de plus en plus fréquents car les paysages sont impressionnants de beauté. Alors qu'au loin, on aperçoit Sapa, nous arrivons dans un village Hmong Rouge. Quelle surprise d'entendre des femmes nous interpeller en français. Au contact régulier des touristes, elles apprennent les langues des visiteurs. Quel âge il a le bébé?
2 ans. Tout au long de cette balade vers leur village, elles nous accompagnent et essaient de nous vendre un ouvrage de leur fabrication. On les appelle les princesses de la montagne. Les montagnes du nord du Vietnam révèlent des paysages somptueux, baignés dans une lumière irréelle. Les vallées encaissées succèdent aux cols escarpés, aux profondes forêts de bambous, au grondement des rivières et des chutes d'eau. Les paysages de rizières en terrasse, à flanc de montagne, sont particulièrement saisissants. Ils forment des jardins suspendus, aux nuances de vert infini, dans lesquels le ciel se reflète. La nature a été modelée par les nombreuses ethnies qui vivent ici, les Hmong, les Thaï, les Zhao et d'autres encore. Leur savoir est écrit dans les blessures de leurs mains, sur les rides de leur visage. Dans cette terre lourde et rocailleuse, les laboureurs et leurs buffles peinent à la tâche. Dans la souffrance, ils ont apprivoisé la terre, le soleil et la pluie. Ils s'en sont fait des alliés et sans un mot, penchés sur l'interminable labeur, ils donnent au Vietnam les épis de la vie. Fondée en 1922 dans une splendide vallée proche de la frontière chinoise, Sapa est une ancienne station de montagne à 1600 mètres d'altitude. Sapa est un cadeau dès qu'on arrive en ville, une perle dans la montagne. Les autorités coloniales françaises y fondèrent un poste militaire et une mission catholique au tournant du XXe siècle. On se croirait presque dans une station bien de chez nous, avec les bâtiments à l'architecture française, mais l'ambiance et les différentes ethnies des montagnes qui se croisent, vous interpellent et essaient de vous vendre leur artisanat, vous rappellent très vite qu'ici, vous êtes au Vietnam. Presque quotidiennement, les montagnards des environs endossent leurs costumes les plus chatoyants et font route vers Sapa. Installée sur la grande place du village et sur les escaliers aux alentours, la plupart des ethnies de la région viennent y vendre leurs produits. Les Hmong noirs, majoritaires, sont reconnaissables aux ravissantes boucles d'oreilles en argent porté par les femmes. Reliant la province de Lao Cai à celle de Lai Châu, le col d'Okiho, altitude 2070 mètres, est considéré comme le col le plus long et le plus grandiose au Vietnam. La montée de 40 km paraît interminable, le panorama qu'il nous offre est décevant, car nous sommes au-dessus des nuages.
Coiffés de leurs grands chapeaux coniques ou simplement d'un fichu coloré, ces femmes thaïes cueillent minutieusement les feuilles de thé. Le Vietnam est aujourd'hui le 7e producteur de thé au monde, bien sûr très loin des gros producteurs que sont la Chine et l'Inde. Les thés produits au Vietnam sont essentiellement des thés verts au jasmin ou des thés noirs. Pendant ce temps, les enfants reviennent de l'école. Alors que ce petit, haut comme trois pommes, tente de manier la grosse pioche. Les régions traversées sont authentiques. Le Vietnam est un pays qui reste unique de par ses beautés naturelles. Mais compter le Vietnam implique également de penser aux longues périodes de conflits et d'occupation qu'il a traversées. Ces influences étrangères imposées par les guerres, de même que le caractère pluriethnique du peuple vietnamien, confèrent au pays une culture à la fois mixte et singulière. Cette alchimie consacre l'originalité du pays. Difficile d'accès et bien écarté de l'itinéraire classique emprunté par les voyageurs, le nord du Vietnam accueille peu de touristes. C'est donc un petit bonheur de se retrouver là, avec cette population si accueillante et si vraie. En effet, quand les touristes affluent dans une ville, la population locale les considère comme des clients potentiels à qui il faut vendre à tout prix. Ici, dans les montagnes du Nord, le rapport établi avec les habitants est bien différent. La population est ravie de voir apparaître quelques voyageurs. Cette région permet de découvrir la culture profonde du pays, de s'en imprégner et de faire des rencontres inoubliables. Notre hôte, Madame Wong, en costume traditionnel thaï, les dents noircies par le bétel, nous interprète quelques airs de son répertoire. Quelques verres d'alcool de riz plus tard, nous tombons dans un profond sommeil. Pas un moustique ne viendra perturber notre léthargie en ces lieux enchanteurs. Quand on dort chez l'habitant,
On est installé dans une maison traditionnelle sur pilotis, faite de teck et de bambou. L'espace pour vivre, manger et dormir est bien vaste. Les moustiquaires compartimentent la pièce pour la nuit. Point des besoins de réveil pour se lever tôt le matin. Le chant des coqs et le coassement des grenouilles dans la mare, toute proche, annoncent le lever du soleil. Cet accueillant village thaï, blotti au pied des montagnes, respire le calme. Ces rizières où s'activent de laborieux paysans, ces maisons de bois sur pilotis, ces buffles d'eau que l'on mène à la pâture, ces canetons qui joyeusement barbotent, fleurent bon le paradis. Comment ne pas admirer cet ingénieux système d'irrigation entièrement réalisé en bambou? Les énormes roues à eau déversent en continu leurs godets dans des gouttières de bambou, irriguant ainsi toutes les rizières de la vallée. Comment ne pas apprécier ce simple moyen d'irrigation, appelé panier volant, qui cependant exige de ses femmes adresse et constance. Comment ne pas vouloir soulager cette femme pour qu'à notre tour nous puissions distribuer l'eau précieuse afin d'irriguer ce champ? Parmi les sites les plus remarquables qu'abrite le Vietnam, on doit d'abord citer la légendaire baie d'Along, située au nord-est du pays. Ce labyrinthe marin, constitué d'un millier de petites îles émergeant des eaux émeraudes du golfe du Tonkin, offre un paysage unique. La baie tire son nom d'une légende, celle de la mère dragon et de ses enfants, combattant les ennemis des Viet. Along signifie, en effet, la descente du dragon. En réalité, ce spectacle géologique si particulier serait issu d'un affaissement de rochers calcaires survenu à l'ère primaire et qui aurait formé ces récifs abrupts. Vue du rocher Titop, la baie offre un paysage extrêmement pittoresque, dépassant toute imagination. Sur un fond vert émeraude, surgissent ces innombrables pains de sucre de toutes formes et de toutes tailles, entre lesquels on voit
par-ci, par-là, des taches blanches et brunes, des bateaux allant et venant. Vu de là-haut, c'est une vision d'un monde féerique, entre ciel et mer. Le ciel bas, et surtout la fine brume, confèrent à l'endroit cette sensation unique de mystère et d'infini. Loin d'être une simple image de carte postale, la baie d'Along est un lieu de vie pour nombre de pêcheurs et leurs familles, les plus modestes vivant sobrement dans leurs petites embarcations. Se pose alors la lancinante question : mais où vont-ils en cas de gros temps ? D'autres vivent rassemblés au sein de villages posés sur l'eau. On se rend de maison en maison, par bateau, ou via de petites passerelles qui connectent les habitations entre elles. Plus d'un millier de personnes vivent ainsi sur les eaux de la baie d'Along. Ici, les pêcheurs vivent en symbiose avec leur environnement. La mer, seule, semble les séduire depuis des siècles. On y venait autrefois chercher le bois d'aigle, la soie et les épices. Il fut longtemps occupé, puis colonisé. Il est connu pour avoir été un immense champ de bataille, où successivement Français, Américains et Chinois ont subi la défaite. Après avoir été coupé du reste du monde durant des décennies, le Vietnam est en train de rompre son isolement. Le pays connaît enfin la prospérité et les changements sont remarquables. Seules les minorités des hauts plateaux et du nord restent immuablement fidèles à leur culture et à leurs traditions. Terre fascinante, peuples attachants, paysages à couper le souffle, perdure la légende.